la stratégie de contenu, c'est essentiel. Très souvent, on rentre, la marque a besoin de contenu, donc elle nous consulte pour produire. Une bonne stratégie de contenu, c'est une stratégie qui va réfléchir à ce qu'est la marque éditoriale du grand compte et comment est-ce qu'il peut l'exprimer. Et une bonne stratégie de contenu, c'est une stratégie qui connaît, les assets de la marque, ce qu'elle veut raconter à l'ensemble de ses publics, ce que les publics attendent de cette marque, ou ce qu'ils sont prêts à écouter de la marque, les endroits où sont ces publics, donc en dehors souvent des plateformes propriétaires de la marque, c'est-à-dire son site, son blog, ses médias sociaux, mais sur des plateformes tierces. Et donc c'est de comprendre tout cet écosystème, de découvrir que la marque souvent a un langage qui est un peu atrophié, elle parle de son produit phare ou de son activité phare, et elle oublie qu'on peut l'approcher de différentes façons, ce produit. Et que pour finir, ses publics sont prêts à l'approcher en recherche, en search sur le web, de façon un peu différente. Donc cette marque éditoriale, on la construit avec cet audit amont, et on va trouver des éléments différenciants de façon à ce qu'elle se différencie de ses concurrents. Donc il y a une analyse de la concurrence qui est assez forte.